Eh bien salut tout le monde, c'est Skels, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle exclusivité trouvée par moi-même sur Battlefield Hardline. Donc voilà, le jeu je l'ai acheté tout à l'heure et puis 30 minutes après j'avais déjà 3-4 glitchs. Donc voilà, donc prochainement sur ma chaîne il n'y aura que du Hardline puisque voilà j'en ai à vous proposer. Donc là ça va être un glitch pour rentrer dans le Pink Beach Cafe, donc très très simplement dans l'épisode 4 affaires classées. Donc pour commencer vous allez devoir utiliser votre grappin et le déployer ici. De là vous allez monter et une fois sur ce toit vous allez vous tourner vers là-bas et vous allez tirer donc votre tyrolienne sur le toit qu'on voit au loin. Et de là vous allez faire donc carré pour utiliser la tyrolienne. Et lorsque vous êtes à peu près collé ici, vous allez la lâcher donc en faisant carré et faire un dash. En tout cas vous allez courir le long du mur et normalement vous allez pouvoir atterrir dessus. Donc une fois que vous êtes ici, faites attention parce qu'ici il y a un trou noir. Donc voilà, une fois que vous serez là, vous pourrez monter sur le toit et avoir une très belle vue sur l'ensemble de la route. Et donc une fois que vous êtes là pour rentrer dans le Pink Beach Cafe, vous allez devoir vous rendre ici. Il y a un mur, vous allez vous laisser tomber dessus. Puis sur le côté gauche il y a un mur invisible, vous allez dessus, vous décalez un petit peu à droite et gauche encore, il y a un autre mur. Voilà, donc en faisant ça vous allez éviter de vous casser la gueule par terre et de mourir vraiment bêtement. Donc une fois que vous êtes rendu là, vous avez une très belle secret room. Donc vous êtes invincible, mais comme ça reste du mode histoire, du mode solo, ça ne nuira en rien au mode multijoueur. C'est vraiment juste pour s'amuser. Et donc voilà, donc étant donné que je n'ai pas de connexion, bah je me suis empressé d'aller acheter ce jeu juste pour glitcher, pour vous proposer du nouveau contenu sur ma chaîne. Puisque voilà, AW j'en fais quand même pas mal, ça restera quand même du AW sur ma chaîne. Mais voilà, Battlefield, je voulais tester parce qu'avant j'aimais pas trop. Et puis finalement, il est pas mal niveau scénario. Après graphisme, c'est vrai qu'il laisse à désirer, mais bon, on va pas se mentir, c'est un très bon jeu pour glitcher pour le moment. Donc maintenant la deuxième méthode pour ressortir au cas où vous n'arrivez pas à faire la première méthode avec la tyrolienne et de vous lâcher au bon moment, vous pourrez tout simplement faire le tour du parking comme je suis en train de le faire, donc à partir du premier toit avec le grappin. Et une fois que vous êtes rendu donc un peu plus loin ici, vous allez grimper dessus. Là vous allez faire attention à ne pas aller là puisqu'il y a un trou noir, donc un mur, enfin voilà, il n'est pas texturé, donc vous allez tomber et vous allez mourir. Donc faites bien le petit contour comme ceci. Et une fois que vous êtes rendu sur ce toit, vous allez tout simplement viser le mur donc qu'il y a là-bas. Et vous allez pouvoir donc vous écraser dessus comme un gros mur, tu vois. Vous allez bien vous écraser dessus, mais vous allez pouvoir aller là-bas sans faire carré à un moment précis. Et puis voilà, vous êtes directement sur le mur et c'est beaucoup moins compliqué. Donc voilà, si vous n'arrivez pas par la première méthode, faites la deuxième. Et puis voilà, donc voilà, moi j'espère qu'en tout cas ces glitches sur Hardline vous plairont. Et puis voilà, moi j'enverrai encore une fois cette vidéo à la GlitchHackFR en espérant qu'ils m'uploadent comme d'habitude. Ça serait vraiment sympa de leur part et puis je les remercie d'avance comme d'habitude si c'est le cas. Et puis moi je vous dis certainement à la prochaine pour d'autres vidéos de glitch sur Hardline. Ma vidéo FAQ pour fond de compilation, je la ferai certainement mercredi puisque ça sera un jour symbolique pour ma chaîne. Étant donné que voilà, j'ai fait ma chaîne le 25 mars 2013, voilà. Donc le 25 mars 2015, deux ans après, on se retrouve pour les 3000 abonnés avec une très belle FAQ que je vous proposerai. Et donc bah voilà, j'espère que vous serez nombreux à y participer. Donc si vous n'avez pas encore participé, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo ou bien n'importe où. Et puis voilà, j'y répondrai. Donc voilà, donc moi je vous dis à la prochaine, c'était Skels et bye tout le monde.